Good morgen, allez, Idan et Tutra aujourd'hui, le Nishmat, Machlouf Micha ben Masuda, Rivka, Bat, Levi, Yitzhak, Avraham, Chayin, Robert, Ben Fortuné, Mazal, Doven, Yudit, Nissan, Ben Mafred, si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechet Midot, Perigbet, Mishnah Gemel, Lifnim, Mimenu, Soreg, Yagavua, Asarat Fahim, Ushlosh, Esrei, Peratzorot, Ayusham, Sheperatum, Ben Chayavan, Chazru, Ugdarum, Yazur, Kenegdam, Shlosh, Esrei, Nishtacha, Vayot. Lifnim mimenu achel eser amot. Ushtem ezre malot ayusham. Ruma maala chatsi ama. Veshilcha chatsi ama. Kol amalot shayusham. Ruma maala chatsi ama. Veshilcha chatsi ama. Chus mishel ulam. Kol abtachim vasharim shayusham. Govhan esrim ama. Verochban eser amot. Chus mishel ulam. Kol abtachim shayusham. Ayulahen dlatot. Chus mishel ulam. Kol asharim shayusham. Ayulahen shakofot. Chus mishel tedi. Shayusham, shtei avanim mutot zo al gav zo. Kol asharim shayusham nishtanu liyot shel zahav, chutz mishar nikanor mipenei shenasa ben nes, ve'yesh omrim mipenei shenechushtan matziv. Le but du Perek Bet, il est de nous faire un plan général du Bet Amigdash, des différentes sections qu'il y avait du Harabait. On a commencé dans les deux premières Mishnayot, on a expliqué c'était quoi cette grande étendue du Harabait. Ouais, en donnant ses mesures, en expliquant le sens de la circulation aussi, par où on rentre, par où on sort, il va toujours falloir faire le tour. Et à présent, dans notre Mishnah, on va commencer à... Donc là c'était Alef Bet, dans la Mishnah Gimel, maintenant on va commencer à se rapprocher de la Hazara. Et en fait, vous voyez ici comme ça, vu de haut, un croquis qui nous fait, apparemment c'est une surface plate, mais il faut bien réaliser, Jérusalem, Yerushalayim, c'est la montagne. C'est la montagne, le Beth Amikdash n'était pas une belle étendue, bien rasée, de 500 sur 500, mais à Mot, 250 mètres carrés, 250 fois 250, c'était pas du tout plat, pas du tout sa montée. Il y avait le Harabait, apparemment c'était quand même assez plat, j'ai jamais vu que le Harabait montait, je sais pas. En tout cas, c'était peut-être assez rasé et plat, mais... Par contre, la Hazara elle-même, on monte au fur et à mesure. D'ailleurs, dans ce dessin du Beth Amikdash, la Hazara elle-même, vous voyez qu'il y a ici des escaliers pour le Olam, et des escaliers ici pour entrer dans la Ezrat Israël. Et il y a des escaliers de l'Ezrat Israël à l'Ezrat Kohanim, ça monte sans arrêt. C'était pas plat du tout, ça fait que de monter. C'est en dénivelé. C'est construit sur la montagne. D'accord? Maintenant, donc, lorsqu'on va... Donc, Mishnah Alef Bet, on a expliqué de manière générale l'étendue du Harabait. Maintenant, on va commencer à se rapprocher de la Hazara, et on va rencontrer le Cheil et le Soreg. C'est-à-dire, vous l'avez ici dans le dessin, dans le PDF, vous le prenez en page 2, en bas à gauche, aussi dans la version papier pour les quelques-uns qui l'ont. Alors, c'est aussi dans la page 2 aussi. Je le rapproche de vous, regardez. Regardez d'abord le dessin. Vous voyez cette barrière là, vous voyez qu'une barrière et des escaliers avec une barrière. Eh bien, la barrière, ça s'appelle le Soreg, et les escaliers, ça s'appelle le Cheil. De quoi il s'agit? Et comme vous voyez ici, après, vous voyez ici qu'on se retrouve avec une des portes. On voit une autre porte ici, et une autre porte de l'autre côté, une là. Et donc on a les escaliers, et on a la fameuse barrière. Ok? De quoi il s'agit exactement? C'est très simple. On est à l'extérieur. Là, vous voyez les entrées de la Hazara de l'extérieur. Vous êtes, par exemple, là, ou vous êtes là, et vous voyez de l'extérieur. Avant d'arriver à la porte de la Hazara, il y a d'abord une barrière qu'on appelle le Soreg, et après, il y a une étendue de 10 amas, comme ce qu'on va expliquer exactement. 10 amas, ça fait les 45 mètres, jusqu'à qu'on arrive concrètement à la porte. 5 mètres. En vol d'oiseau, mais seulement ça en dénivelé, comme tout ce qu'on va expliquer dans notre Mishnah tout de suite. Et la Mishnah commence d'abord à me préciser c'est quoi le Soreg. L'Ifnim Mimenu, une fois plus à l'intérieur, une fois qu'on a passé la barrière du Harabait, qu'on a commencé à marcher dans le Harabait, dans le mont du Temple, eh bien, l'Ifnim Mimenu, à l'intérieur de lui, on va rencontrer quoi? Soreg. On va rencontrer le Soreg, la barrière Gavoa Asara Tfachim, qui est haute de 10 Tefach. 10 Tfachim, un Tefach, c'est l'équivalent de 10 cm, 9,8 ou 12 selon les avis, donc ça fait l'équivalent de 1 mètre, à peu près plus ou moins, une barrière. Le mot Soreg, en hébreu moderne, le mot Soreg, c'est des barreaux,
des barreaux qu'on peut mettre dans une fenêtre, ou bien des barreaux qu'on met dans ceux qui sont derrière les barreaux, ils sont aussi tahat, soreg ou bariach. Le mot soreg, quel rapport avec des barreaux et le mot soreg? En fait, l'origine, il est que quand on faisait des barrières à l'époque, eh bien, on prenait des matières un peu dures, en l'occurrence pour le soreg d'ici, c'était du bois, on faisait des tassines, des tasseaux, et on les tissait. Donc, de là vient le mot soreg, l'isrog, faire de la, comment ça dit, du crochet, comme on fait les kippotes sugot, ceux qui ont les kippotes de couleurs qui sont tricotées. Ah, tricoter, c'est le mot exact précis, c'est tricoter. Donc le mot soreg vient du fait qu'on a entrecroisé des tasseaux, et pour en faire une barrière, donc ça fait des petits trous à l'intérieur, c'est ça la définition du mot soreg. Donc il y avait, une fois qu'on approchait le harabet, il y avait un soreg. On va expliquer ensuite sa fonction. Pour le moment, d'abord on décrit, il y a ce soreg, et puis le soreg maintenant, il se trouve à une distance de 10 amas jusqu'à l'entrée. Comme on a dit, il y a un dénivelé, il y a des escaliers, on va prendre exactement le nombre d'escaliers, le nombre de marches, jusqu'à quand on va entrer. Ok? Peut-être que je fais une petite pause et je vous explique un peu mieux tout ce qu'on va découvrir dans la Mishnah, comme ça après on va pouvoir s'intéresser à des petits détails écrits dans la Mishnah. Donc le principe, il est que j'approche l'entrée du Harabai, de la Hazara, j'ai auparavant cette barrière. Après, je commence à rentrer dedans, j'ai une étendue de 4 amas, donc l'équivalent de 2 mètres. Après, je commence à monter des escaliers. On va voir dans la Mishnah qu'il y a précisément 12 marches. Ouais. Chaque marche, elle fait une hauteur de 1/2 amma et elle rentre 1/2 amma. Donc 12 marches, ça fait l'équivalent que j'ai déjà monté. J'ai déjà monté donc 6 amas au total pour le moment. Et je suis pénétré, j'ai pénétré de 6 amas à l'horizontale. D'accord, je continue à entrer en profondeur. À 6 amas, donc il y avait 4 plus 6, ça fait l'équivalent de 10 amas. Voilà le principe de la Mishnah. Après, on va encore, du coup, c'est l'habitude dans la Mishnahot, on va passer d'un sujet à l'autre, dans la mesure où il y a une petite ressemblance. Et donc la Mishnah m'enseigne comme ça. Sache que, maintenant, la fonction du soreg de cette barrière, le Tosot Yom Tov, ensuite rapporté dans le Gaon de Vilna, et le Tiferet Israël, ils vont tous dans cette direction. Ils expliquent qu'en fait, les Goïm aussi pouvaient venir au Beth Amikdash. Il y avait même des personnes impures qui pouvaient entrer dans le Harabait. Ça dépend des degrés d'impureté. Pour une personne impure, on parle que c'est un Tmémet. Un Tmémet, il a le droit de rentrer jusqu'au Soreg. Le Goy, il a le droit de venir jusqu'au Soreg. Donc il y avait cette barrière du Soreg qui était là, qui disait attention, jusque-là, maintenant, on interdit aux Goïm et on interdit aux personnes impures de pénétrer plus loin, plus profondément. Ok? La Mishnah continue à enseigner. Eh bien, il y avait là-bas où Shlosh Esri Pratzot Hayu Sham Shepratzu Malchayavan Chazru Ugdaru. On expliquera ensuite. Il y avait dans ce soreg, il y avait eu à un moment de l'histoire, il y avait eu 13 Pratzot. 13, comment dire, elle a été cassée en 13 endroits. Ils ont cassé cette barrière. Les Grecs. Lorsqu'on était sous domination grecque, ils n'ont pas apprécié. On a mis cette barrière, précisément, vous avez bien compris, puisqu'elle limite les goïms, et que les goïms, eux, dans leur philosophie très terrestre, ils ne voient aucune différence entre un juif et un goï. Il n'y a pas de neshama, il n'y a pas de... ça n'existe pas, donc finalement, quand on est tous des êtres humains. Philosophie moderne, c'est même les animaux, c'est des êtres humains maintenant. Et, mais en tout cas, à l'époque, où l'être humain, c'est un animal, je ne sais pas. À l'époque, en tout cas, donc il voyait aucune différence foncière entre un juif et un goy, de ce fait, tu causes l'histoire que tu interdis aux goyim de pénétrer plus profondément, ils ont cassé cette barrière, en 13 endroits, ils ont fait tomber la barrière autant que possible. Ils sont venus ensuite, plus tard, lorsque les Hachmonaïm ont reconquis le pays, et ont repris le pouvoir, la domination, alors ils ont reconstruit le Soreg, mais du coup, partout où il y avait eu cette Pirtzot, où ça, la barrière avait été cassée, eh bien, Chachamim ont instauré que lorsqu'on arrive à côté, on se prosterne. Donc les gens, ils marchaient dans la Zara, ils entraient par ici, ils approchaient ici une porte, donc ils approchaient plutôt ici une pirta, il fallait se prosterner par terre et remercier Hachem qu'il nous a sauvés des Yevanim et qu'il nous a permis de perpétuer sa Torah. Et c'est ce que la Mishnah dit, où Shlosh Esrei Pratzot Hayu Sham. Et il y avait 13 Pratzot, elle a été fêlée en 13 endroits là. Le soreg,
Malchiyavan. Qui a fait ça? Ce sont les rois grecs qui avaient fait ça. Chazru Ugdarum. Une fois qu'ils ont ensuite, qu'on a repris la domination et que on a fait le Guéder, on les a donc reformés pour remis en place, eh bien, Vegazru Kenegdam Shoshesri Ishtachavayot. Et ils ont instauré que l'on se prosterne 13 fois à chaque fois qu'on passe devant une brèche qui a été colmatée en bon français. Les Fnim Mimenu, maintenant, ça y est, on va passer le Soreg. Le soleil, on va le dépasser maintenant. Ah, maintenant une fois que, précision super importante, qui n'était pas précise dans le Mefarshim, c'est celle qui nous l'a très bien dit, que, bon, alors nous on a refermé on a colmaté toutes les brèches. Alors finalement, combien il y avait d'ouvertures dans ce soleil? Réponse très simple, partout où il y avait une porte du Echal, de la Hazara, il y avait en bas une ouverture dans le soleil, tout simplement. La Mishnah continue en disant, Lifnim mimenu achel à l'intérieur, maintenant, une fois qu'on dépasse maintenant ce soreg, cette barrière, eh bien, on a dans l'espace du Kheil, Kheil, c'est un mot différent et expliqué plus loin, ça veut dire la barrière, littéralement, ça veut dire la barrière, mais en fait, on est dans la partie qui est au-delà de la barrière, donc c'est appelé au nom de la barrière. Différent Israël propose une explication là-bas, mais on ne va pas trop rallonger dessus. Les Fnim Imenu, Acher Amot, il y avait cet espace du Kheil qui était sur une étendue de 10 amas. Où Malot, mais il y avait 12 marches, parce qu'on montait. Roumama, la hauteur de chaque marche, la hauteur Roum, la hauteur, comme Ram Venissa, quelque chose qui s'élève. Roum Amaala, la hauteur d'une Maala, d'une marche, c'était Khatsiama, une demi-ama. Une ama, si c'est 50 cm, ça fait 25, 24 plus précisément, 24 cm. Ve ou Veshilcha Khatsiama. Et sa profondeur, son étendue, Khatsiama. Donc en fait, on avait 12 marches que ça faisait. Une demi-ama, une demi-ama, une demi-ama, une demi-ama, une demi-ama, vous faites 12. Donc ça fait en fait qu'on est monté 6 amot, puisqu'il y avait 12 fois une demi. Et on est entré en profondeur aussi 6 amas. Rajoutez les 4 que je vous ai dit, que c'est donc ça fait l'équivalent de 10. Et du coup, on fait une petite pause maintenant pour nous décrire le plan du Beth Amikdash, pour nous donner quelques généralités en comparant. En comparant, on traduit tout de suite. Kol ha'malot shayusham, toutes les marches qu'il y avait dans le Beth Amikdash, il y en avait de partout des marches, je vous avais dit. Il y avait autour, bien sûr, de la Hazara, il y avait lorsqu'on entre dans la Hazara, dans la Ezrat Israël, entre la Ezrat Nechim, Ezrat Israël, Ezrat Kohanim, il y avait les marches du Oulam, d'accord? Et bien la Mishnah m'enseigne comme ça. Sache que Kol ha'malot shayusham, toutes les marches qu'il y avait là-bas, dans le Beth Amikdash, en général, dans tout le Harabait et tout le Beth Amidash, Roma Ma'ala Chatsiama, la hauteur de la Ma'ala était de une demi-ama, Veshilcha Chatsiama, et sa profondeur était d'une demi-ama. À une exception, c'était Chus Michel Oulam, sauf les marches du Oulam. Le Oulam, c'est le hall d'entrée pour entrer dans le Hétral, que du coup, la Mishnah va nous préciser toutes les différences qu'il y avait dans le Oulam. Regardez dans le Oulam, dans le dessin que vous avez ici, eh bien, on a trois marches, et puis après, c'est plus profond. Il y a trois Tfachim Behemet. Trois marches, trois tfachim, trois marches, trois ou quatre tfachim. On verra tout ça, Bezrat Hashem. On y arrivera ensuite quand on arrivera au Perek Dalet, je crois, Perek Guimel plutôt. Et la Mishnah m'enseigne. Donc, toutes les marches, c'était une demi-ama, une demi-ama, sauf le Oulam. Kol ha'ptachim ve'ha'sha'arim sha'yusham. Toutes les portes et portails qu'il y avait là-bas au Beth Amikdash, Govhan Esrim Ama. Les Rochban et Seramot. Leur hauteur était de Esrim Amma, 20 Amma, 10 mètres sur 10 Amma, donc 5 mètres. D'accord? 20 Amma sur 10 Amma. Les Rochban et Seramot, Chutz Michel Olam, sauf l'ouverture du Oulam. De nouveau, le Oulam, le hall d'entrée qui était beaucoup plus large, deux fois plus. Il faisait 40 sur 20. 40 sur 20, plutôt, ouais. 40 de hauteur et sur 20 de largeur. Kol Aptachim Shayusham, toutes les portes qu'il y avait là-bas. Ayulaen de la Tote, Chus Michel Olam. Ils avaient tous des portes. Toutes les portails, toutes les entrées, en fait. Toutes les entrées, eh bien, il y avait des portes. Fixées avec des portes qui étaient ouvertes et fermées. Qu'on ouvrait et qu'on fermait selon des heures et tout ça. Chus Michel Olam. Sauf le Olam, il n'avait pas de porte. On avait évoqué plus haut qu'il y avait tout de même dans Tamid. On avait Tamid Perek Zayin, on avait expliqué, on avait comme ça le Barthénoir,
Et d'autres méfarchim expliquaient qu'il y avait quand même un rideau, mais en tout cas, il n'y avait pas de porte. Donc, Rous Michel Oulam. Kol Hasharim Shayusham, toutes les portes qu'il y avait là-bas, Yulem Shakofot. Ils avaient des Shakofot. Une Shakofot, ça veut dire des Mashkof, des linteaux, d'accord? Des linteaux, mais plutôt celui du haut. Le mot m'échappe en français. Ouais, le linteau du haut, mais c'est pas le linteau. Le linteau, c'est sur les côtés et le. Il m'échappe. Ok. Et maintenant, ça s'appelle Shakofot parce que l'ishkof, ça veut dire frapper, cogner. Et donc, du coup, là, la porte, elle cogne dessus, donc il y a ce linteau en haut. Et Chous Mishar Teddy, une exception, c'était le Char Teddy. Le Char Teddy, c'est celui qui est. Qui est ici, Charles Teddy, celui qui était derrière la Hazara. On avait évoqué là-bas qu'on avait déjà vu que les personnes impures, qui avaient les konim, qui avaient une pollution nocturne, ils avaient eu un accident la nuit en dormant, et bien ils devaient sortir par là-bas discrètement. Puisqu'il faut sortir discrètement, alors au lieu de faire un grand portail, on a fait un portail en V retourné. Comme ça, ça donne une allure beaucoup plus. Il s'éclipse, celui qui a eu cette impureté. Chutz Mishar Teddy, Shayu Sham Shte Avanim, qui avait là-bas juste deux pierres, Mutot Zol Gavzo, qui étaient penchées l'une vers l'autre, en V. Comme ça, les dessins rapportent, sauf le tissu d'Israël, mais bon. Zol Gavzo, Kol Hasharim Shayu Sham, toutes les portes, tous les portails qu'il avait au Beit HaMikdash, Nishtanu Lihiot Shel Zav, ils avaient la singularité d'être en or, toutes les portes étaient en or. Chutz Mishar Nicanor, à l'exception du portail de Nicanor. Nicanor, c'est l'entrée principale. Char Nicanor de la Hazara. Ok. Ici, Char Nicanor. Que Shenemi Pene Shenasa Ben Nes, car il y a eu, par leur intermédiaire, un miracle, comme si on avait raconté l'histoire dans le Pérec précédent. Et Veyesh Shomrim, il y en a qui expliquent aussi que Mipene Shenechushtan Matsiv, parce que leur cuivre brille, jaune, comme de l'or. Du coup, puisqu'elles étaient en cuivre, alors Khamim n'ont pas vu la nécessité de les remplacer avec des portes en or. C'était tout aussi bien beau et brillant aussi d'avoir ces portes en cuivre. D'accord. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Toub. Salam.